Ah bah c'est parti pour la suite de l'aventure. Ah, c'est bien, il y a des bouquins. Ouais, j'y vois plus rien. Oh là là, je me tape dans les meubles. Gueuleborn, alors c'est qui le stick? Rénil Dralas. Ah, la pauvre veuve, quand elle va apprendre que son époux s'est fait trahir et zigouiller pour avoir le trésor. Non, mais malheureuse, j'ai une info terrible à te délivrer. Oui, le fameux Gelleborn. Oui, des rumeurs. Tu me l'avais déjà dit dans l'épisode précédent. Hein? Ne m'ignorez pas, monsieur le garde. Ouais. Alors, Rénil Zdralas déjà. Problème, déjà, il va y avoir Brandon Lyrian.
Sauf que je suis pas d'accord. Dans le journal de bord, on apprend. Il y a le journal de l'intéressé. Ok, ça me va, merci. Oh là là, il est pressé le monsieur. Wow, il a tracé, mais alors. Speedy Gonzales ou bip bip là. Bip bip. Ah, la pauvre Verline. Malheureux, je n'ai plus rien à te dire. Tu peux faire ton deuil. L'avenir te le prouvera. L'avenir te le prouvera. Ah, son corps a été. Ah bon, bah, c'est bientôt l'enterrement alors. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Qui c'est qui dit ça? Des rumeurs. Avez-vous déjà entendu parler du fantôme du seigneur Calibra? On dit qu'il hante la route de Corone. Je n'ai jamais vu. Pas grave, bonne journée. Merci, à bientôt. Tiens, je vais faire des potions, moi. Non, je vais pas attendre, je vais faire des potions. Putain, on voit que je dors là, c'est terrible. On voit que je suis à la fin de ma journée de boulot, que je suis en train de. Je vais me changer les idées en jouant une heure, mais j'arrive même pas à suivre le.
Je suis désolé à suivre le rythme. Cool. Ouais, non, c'est idiot, je peux au pifomètre. C'est pas sérieux. Bon, allez, la taverne. Ah. Ah bah ça me va complètement. D'autres infos? Eh ben, ça mérite d'être clair. Bon, allez, à tout à l'heure, j'y vais. Alors, la question est où est mon cheval? Je crois que je l'ai laissé sur la porte là-bas. Enfin, oh. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, et ben, mes hommages à Madame la Comtesse, hein. Merci, vous de même. J'ai une affaire urgente à régler et j'irai voir Madame la Comtesse après. Ah là 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 là. Bon alors, moi je ne sais plus avec tout ça.
mon cheval. Alors, que je localise sur la carte. Déjà, je vais faire une sauvegarde rapide. J'en suis presque déçu que ce soit aussi proche, dis donc. Je m'attendais à faire un petit peu de promenade au loin. Ah, ce serait donc ici. Vilain loup. Je suis arrivé à la grotte de la pierre boréale. Bleh. Alors, vous ne vous rendrez pas là? C'est votre dernière chance alors. Ah ouais, bien. Voilà, il est tombé comme un caca dans l'eau. Il y a eu un retourné très drôle. Alors, une confrérie trahie. J'ai retrouvé Rénine dans la grotte de la pierre boréale. Il a refusé de se rendre et a préféré m'attaquer. J'ai dû le tuer pour me défendre. Je peux à présent récupérer l'artefact mentionné dans le journal de Gellibond dans le coffre. Ah oui, il est tombé comme un caca. Aïe, 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 aïe. Wow, il en a des clés.
Ah, elles me reviennent toutes de droit. Clémore elfe. Oh, pas mal. En ouvrant le coffre des trempés avec les trois clés, j'ai découvert que l'artefact était une amulette. Elle me paraît assez quelconque et je ne sais pas trop à quoi elle peut servir. Je pense qu'il faudrait que je la rapporte à Elrin Lyrian et elle me dira quoi faire. Ibi. Ah, il y a autre chose. Ah, j'ai même pas fait gaffe, mais en plus j'ai combattu sans armure. Waouh. J'avais complètement zappé que j'étais pas en armure. Bon, je vais revoir madame la comtesse là.
Garde-pomme. J'aime bien le nom. Comme une envie, là, sur le moment, ça me prend de faire de l'alchimie. Ah merde! Bon, allez, sérieusement, je vais essayer de me concentrer sur l'histoire de la comtesse. Ah bah tiens, j'ai encore. J'ai gardé le bouclier. Eh oui! Les rumeurs. Bah, c'est déjà ça. À plus. Merci bien. Ah, Rhaenys n'est plus. Enfin, Rhaenyl. La minute quelconque, ça part. Lord est-il mort avec Braden? Oui, bien sûr, faites donc. Terre de...
prêtre Nil. Au revoir. En quelque sorte, oui. Attends, j'ai pas compris. C'est quoi le bijou? Ah, phylactère de légèreté, fortification, rapidité, si... Ok. Oui, c'est sympa. Un bijou de plus. À plus. Bon, madame la comtesse, merde, on recevait jusqu'à 6h, c'est plus l'heure, c'est ça? Presque. Ah, madame la comtesse. Hop là. Oh ben, je vais arriver en retard, vu l'heure. Bon, vu l'heure, oui, non. Je vais laisser madame la comtesse tranquille. Je vais aller à la guilde des mages passer ma nuit. Et j'irai voir madame la comtesse le lendemain, hein. Après tout, la journée a été bien remplie. Nous l'en nordique, oui, non, c'est bazar. Mais non, c'est là. Oh là là là, la guide des mages est en bas. Allez, au dodo, les gens. Allez vous coucher. Ah, mon Dieu. Bah alors, bon, plein de choses à dire. L'université peut-être. La guide des mages. Bref. Des rumeurs. Et B. À plus. J'aime beaucoup la salle du dîner. Ah! Tu m'as fait peur! Oui, merci. Et tu m'as fait flipper. C'est l'heure du dîner? Oh mon Dieu. Bah, passons à table. Festoyons! Festoyons, les amis. Bonjour. Des rumeurs? Oh là là! Pardon, je commence à avoir sommeil. Ah, Dieu. Ah. Bonjour, Selena. Oh, moi, je papote. Des rumeurs?
Ah, c'est une époque révolue. Ah là 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 là. À bientôt. Alors, il est où notre... Ah, pardon. Oh mince, il s'est barré. Je voulais lui faire la causette, moi. Bon, j'ai droit à un plumard. Allez, au dodo, moi je suis crevé. Bonne nuit les gens, à demain. Voilà. Mais même en pleine nuit, t'es insomniaque, tu lis? Je sais pas, mais tu, je suis bluffé. Des rumeurs? Tu radotes, je suis triste. Au revoir. Voilà, je dors de bon là. Mon Dieu. Ah bah je peux pas. J'en fais tomber mon micro. Oui, c'est triste, mais je ferai pas d'épisode suivant. Après, j'irai vraiment me coucher. Hein, dans... J'ai encore une demi-heure max et dodo. Les quêtes. Et on a des choses à faire, c'est dingue. Une potion de guérison de maladie, réduisant en poudre des griffes de Fauchelevent et dans la racine de mandragore à l'aide d'un mortier d'un pilon. Le mélange restera plutôt grumeleux. Il peut être mélangé avec à peu près n'importe quel liquide, mais de l'eau claire ordinaire est votre choix le plus sûr. Course pour une potion de regain de santé mineure, émettez un chapeau de cèpe de pierre au-dessus d'une viande de sanglier rôti. Tranchez finement et mélangez le tout à l'aide d'un mortier et pilon. Ajoutez de l'eau pour créer une solution buvable. Oui, la viande de sanglier rôti sous forme de solution buvable. Waouh!
autant poncer un peu plus, jouer les prolongations, parce que comme il n'y a pas d'animation, c'est d'un triste. Ça y est, tout le monde se lève! Dis-moi que t'as des rumeurs. Tu proposes quoi, tiens? Ce personnage ne peut pas vous former davantage. Je ne comprends pas. Dit que j'ai beaucoup à apprendre. Alors il est un des niveaux supérieurs au mien ou inférieurs au mien? Je comprends pas. Au revoir, Scar. Mais me regarde pas comme ça! Okay. Mais pourquoi n'ai-je pas commencé par ça? Surtout les ingrédients. S'il y a la regain de magie, je prends. Ah ben voilà. Wow, ça coûte cher. Waouh! Ok, ça coûte la peau du cul. Ah, j'en achèterais bien une tripotée. Ça fait beaucoup, mais oui, je suis fou. Oh l'autre est... Moi, je peux seulement lui vendre des trucs. Ah non, ouais, après je sais pas si... Oh la vache, ça pèse lourd la graisse de troll.
Écoute, ça pèse tellement lourd que je vais tout vendre. Ouais, je vais tout vendre. Ça va me libérer d'un poids. Non, ça, je peux les garder. Ouais, bah, les gemmes, je vais les conserver. Ah, elle est intéressée par la peau de loup, dis donc. Voilà qui m'est fort sympathique. Et moi alors? Pas mal, pas mal, j'avoue. Mais je me demande si je l'ai pas déjà, ouverture de serrure facile. J'ai un doute. Ah si, je l'avais déjà, j'ai bien fait de pas la racheter. Ah oui, j'ai très facile et facile. C'est les niveaux supérieurs que j'ai pas. Bon, je vais aller voir de ce pas, madame la comtesse. C'est pas très poli, madame la comtesse. Mes hommages. Pas la prime, la curiosité intellectuelle, madame. Mais c'est bien pour cela que je suis présent face à vous. Ah, c'est elle qui d'accord, qui permet d'acheter une maison ou pas.
Alors, on va parler affaires. Déjà, je contourne malicieusement le sujet. Essayez de simuler, de ne pas être très intéressé. Des rumeurs, madame la comtesse? Ok. Donc cette pierre de folie draconienne, c'était quoi déjà? Comtesse, m'en dire plus sur le lieu dit? Pas du tout. Non. Minute, qui était Raymond Cyrodiil? Oui, donc, l'alliance a mis fin au conflit. Donc, se dit artefact. Volontiers, oui, madame la comtesse. Magnifique, prodigieux. Encore d'autres informations à me soumettre avant que je parte en quête du précieux diadème. Non, mais le dit journal en fait.
Madame la comtesse m'a vraiment tout donné, toutes les informations dont elle disposait? Oui, très probablement. Très probablement. J'espère pouvoir faire l'acquisition d'une propriété en ville à mon retour. En espérant que j'ai la thune, je ne crois pas, mais bon. Savoir que j'aurai le feu vert une fois que j'aurai réuni l'argent, c'est une première étape. J'aimerais bien, mais j'y crois pas. Si tu m'as annoncé, Dame la Comtesse, yo ziva, m'a annoncé un froid glacial et des bestioles hostiles et coriaces, j'y crois pas trop. Je pense pas que ça va être un simple parcours de santé. Salutations. Bon, bah, suite de l'aventure au prochain épisode, non? Voilà, excusez-moi. Oui, bonjour, je suis fatigué, pardon, je vais aller me coucher. Ah oui, je regarde ici, c'est beau. Allez, moi je vous dis bonne nuit, petit, je continue l'aventure d'Oblivion. Je sais pas quand, je sais pas quand, mais c'est génial. Merci de suivre la saga.